Une fois par semaine dans la capitale nationale, nos députés trouvent le temps dans leur horaire chargé pour se rendre à un rendez-vous très spécial. Pendant 45 minutes, ils mettent de côté leurs soucis pour se concentrer sur leur santé, avec l'aide d'un entraîneur particulier. Bienvenue à la partie natation de la Journée nationale de santé et mise en forme. Nous sommes jeudi matin. La philosophie derrière la nage est que si on se sert des parlementaires comme modèle, pas en tant qu'athlète d'élite, mais juste comme des gens qui essaient et améliorent leur niveau de mise en forme et d'activité physique, ce serait une bonne chose pour tous les Canadiens. Ce qui est génial, c'est que le jeudi matin, nous avons l'entraîneur de l'équipe nationale de natation, en parlant d'un entraîneur d'élite, Pierre Lafontaine, qui nous inspire et nous encourage. Il va chercher même des gens qui n'avaient jamais nagé auparavant et leur apprend différentes techniques de nage. Vous comprenez, en entendant les rires derrière moi, qu'il y a une très bonne ambiance ici. Et je soutiens que lorsqu'un député conservateur aide un député néo-démocrate à apprendre à faire un virage spin, le décorum à la Chambre des communes ne peut que s'améliorer. Tu as un très beau style de nage. Honnêtement, ce qui fait la différence, c'est d'avoir Pierre, d'avoir cet entraîneur incroyable, cet homme merveilleux qui nous donne tellement de trucs et de conseils. J'ai toujours adoré nager, même si je ne le fais pas assez souvent. Ça m'incite à prendre le temps, à faire ça pour moi, pour ma santé, même si je ne le fais qu'une fois par semaine. Je vais essayer d'en faire plus. C'est super. C'est ce qu'on doit faire. Tout a commencé quand je revenais d'une compétition à Vancouver. Il y a une femme à côté de moi et à côté d'elle, un gars qui a l'air d'être assez en forme. Je ne vais pas rester assis dans un avion de Vancouver à Ottawa pendant 5 heures sans parler à personne. Donc je lui dis « T'as l'air en bonne forme. » Il dit « Je viens d'être élu, je suis un nouveau député. » Je lui dis « Ah, j'ai un rêve pour toi. Si vous, les députés, pouviez créer la vision, des gars comme moi, dans le sport, pourraient la rendre possible. Mais d'ici à ce que vous en parliez et le vendiez à la population canadienne, on n'a pas de message. On fait juste aider notre petit groupe. » Il dit « J'embarque. » Et la femme assise entre nous dit « En fait, je suis une spécialiste de la nutrition. Et si je devenais partenaire avec vous, vous vous occupez de la mise en forme des députés et je m'occupe de la nutrition. » J'imagine qu'on peut dire que j'ai nagé toute ma vie, mais se lever pour rejoindre les autres députés à 6h45, c'est spécial. Tu dois y aller parce que tous tes amis vont être là. J'aime ça parce que c'est une des seules activités hebdomadaires régulières non partisanes que j'ai l'occasion de faire. Je nage avec des députés des autres partis. Ce qui se passe, c'est que ton bras est ici et tu lèves tout de suite. Je veux que tu pousses derrière et ensuite revenir vers le haut. OK? Nager comme une dingue, comme j'ai fait toute ma vie, est une chose, mais avoir un entraîneur professionnel ici tous les jeudis matins m'a permis de changer mon style de nage. Je suis très fière d'écouter et de recevoir les conseils. Je sais maintenant que je n'étais pas supposée lever la tête en dehors de l'eau et respirer comme ça. Je suis censée pousser derrière. Donc, j'apprends des choses et c'est très utile. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Donc, OK, donc creuse dans le sable et cherche ton appui. Creuse dans le sable et cherche ton appui. J'adore nager avec mes collègues. Et Pierre est un entraîneur formidable. Chaque style de nage s'est nettement amélioré. J'ai trouvé chacune des centaines d'erreurs que je faisais. Donc, chaque fois que je viens, j'apprends quelque chose. Go, 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 go! T'es pas... On sera jusqu'au mur. C'est ici qu'on te remet ta médaille. Juste ici. Wow! C'est vraiment mieux. Un bon coup de bras, beaucoup mieux. Bon matin. 10 redressements assis, t'es en retard. Et voilà. C'est très bon. Très bon. On a commencé à discuter des idées. Comment peut-on utiliser ces mentors pour avoir un impact national? Donc, on a pensé à faire une journée nationale de mise en forme. John va proposer ça à la Chambre des communes et on le lance la semaine prochaine. Ce sera un projet de loi privé à l'automne. Tous les partis sont d'accord et disent « Ayons une journée par année où partout au pays, nous ouvrons les complexes récréatifs de niveau fédéral, provincial et municipal. » Les Y sont d'accord aussi. Essayons de rendre les Canadiens plus actifs. OK, Peter. Montre-moi ton virage au mur.
Et voilà. Quand je siffle, tu vas m'entendre, tu pousses ton nez à tes genoux. Le roi est de retour! Le roi est de retour! C'était bon? Oui, mais au moins t'as touché le mur et tu t'es poussé tout droit. On recommence. Je dirais que c'est vraiment pour avoir la forme parce que les jeudis, c'est une journée où je suis beaucoup plus attentive dans mes comités. C'est une journée où je suis plus attentive à la Chambre des communes. C'est une journée où j'ai beaucoup plus de concentration parce que je sais que je me suis fait mon 1 heure de sport le matin. Fait que c'est un peu pour ça que je viens ici. C'est super motivant. On est pas mal tout le temps les mêmes députés. Fait que c'est notre petit moment de jeudi ensemble. Avec notre entraîneur aussi qui nous donne des trucs, qui nous pousse quand on prend des pauses de plus que 2 minutes. Il nous le dit, allez Isabelle, on recommence à nager. Fait que c'est vraiment, vraiment plaisant. Essaie de pousser un peu plus haut parce que tu sors ici. Je me suis fixé le but d'être capable d'aller et venir dans la piscine en nageant le crawl. Je pensais pouvoir atteindre mon but quand j'ai eu 65 ans, mais non, je n'ai pas réussi. Je veux toujours pouvoir nager correctement, traverser un lac sans me fatiguer. C'est une des choses que j'aimerais réussir. Tout le monde au pays, les jeunes, les plus vieux, ceux avec un handicap, les nouveaux Canadiens, tout le monde fait partie de cette famille qui veut être la plus en forme du monde. Et de là, on a eu l'idée de cette journée nationale de mise en forme, qui est le premier samedi du mois de juin, où on essaie de convaincre chaque maire de chaque communauté d'ouvrir leurs arénas, leur piscine, leur champ de soccer et leur salle d'entraînement gratuitement pour la fin de semaine pour promouvoir un style de vie actif. Donc, pour faire une histoire courte, c'est là où on en est rendu 3 ans plus tard.